Yo les gars, c'est Susuk, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Aujourd'hui, vidéo invocation sur le compte de l'ami Drink, hein, comme d'habitude sur la version globale. Hein, on continue les bonnes habitudes, puisque on lui drop quand même à chaque fois du sale. Hein. Faut l'avouer qu'à chaque fois, on est un peu chanceux sur les drops sur son compte. Et donc, j'espère qu'on va continuer à l'être pour pouvoir lui dropper le Golden Frieza Ange, qui vient tout juste de sortir sa version globale. Tu verras certainement la vidéo le lendemain du sortie du portail. Mais moi, quand je tourne la vidéo, c'est le jour de la sortie. Bref, comme annoncé, il arrive avec un portail sans promotion. Voilà, je l'avais dit dans la vidéo, la vidéo sur l'arrivée de Golden Frieza. Au niveau du détecteur, c'est pas dégueulasse. Il y a quand même du Goku SJ3, il y a quand même du Kid Buu, il y a du Freezer Full Power, il y a le soutien couleur qui fait plaisir pour la team Extrême Intelligence. Donc le portail est pas dégueulasse, après il n'y a pas de promotion. Mais après, si t'as pas, la catégorie ressuscité pour faire l'event de Goku SJ3 pour le Limit Break, tu risques d'être un peu, de galérer. Donc c'est un peu chiant, mais je pense vraiment faut pas que t'invoques tes free to play. Le portail, certes pas dégueulasse, mais vaut pas plus le coup que ça, selon moi. Bref, on va quand même aller voir le détecteur, voir si on a autre chose en même temps. Et le Golden Frieza Ange, j'ai fait l'analyse du perso récemment, je t'invite à aller checker ça sur la chaîne évidemment. Et à activer la clochette parce que il y a des gros soucis là, non, même plus de notifications. Enfin si, notif, j'en parle pas, mais surtout les vidéos n'apparaissent même plus dans l'onglet vidéo. C'est quand même assez incroyable. Hein, plus on avance, plus YouTube se détériore. Donc au niveau du portail, on a quand même aussi le Kid Buu Endurance, le Golden Tech. Bon, le flooper on l'a vu, et puis on a un petit buff boo SR puissance. Bon bah why not. Écoutez, moins de blabla, plus d'action. C'est parti, on va essayer de lui dropper le Golden Frieza Ange des familles. Let's go. Est-ce que moi j'ai le son du jeu ou vous l'aurez pas parce que je l'ai coupé, mais moi j'aime bien l'avoir. Voilà. Quand j'invoque, vous mettrez une petite musique d'ambiance comme d'habitude, ça fait plaisir. Allez, SSJ1, SSJ2, SSJ3 pour commencer, ça c'est propre, ça c'est très propre. Je suis en train de regarder ma tablette en même temps à côté parce qu'il se passe des choses assez, assez incroyables là sur Captain Tsubasa en même temps. Donc du coup je fais attention. Ok, donc si c'est un SSJ3 pour ce vieux Trunk Intelligence, c'est vraiment la PLS quand même, hein. C'est vraiment la PLS. Je te le cache pas, j'espère qu'on va dropper de l'autre, d'autres SSR que ce petit Trunks Intelligence ou que ce Goku Intelligence. Mais bon, 2 SSR dans la première multi, 3 SSR dans la même multi, le Kula support, très bon une fois de canne. Bon, on commence bien, hein. Ça commence quand même plutôt bien les bons bails. Franchement, belle première multi invocation, même si le Trunks là ici, vraiment il pue sa mère. Les deux autres sont corrects, surtout le couleur qui est vraiment... obligatoire dans la team, je dirais, dans la team Extrême Intelligence. Allez, deuxième multi-invocation, une capsule, Rainbow, on peut éventuellement, avec le bye-bye les gars, qui arrive, peut-être, avoir du lourd, et le bye-bye les gars, là, c'est terrible. Alors là, on enchaîne vraiment des multis plutôt corrects. Allez, le Golden Frieza, et on n'en parle plus, et on cote la vidéo au bout de... Combien de temps? Ça fait combien de temps qu'on est en vidéo? Merde, merde, 3 minutes. 3 minutes de vidéo, c'est terrible. Ah, El Famoso Trunks, ultra dégueulasse, hein. Regardez-moi ce visage, hein, dessiné par par Jean-Paul, 8 ans, au CE1, ou CM1, je sais pas quel âge, je sais pas où t'es, ouais, 8 ans, CM2. couleur, bah, deuxième couleur, bon bah il va pouvoir l'avoir 100%, bon il n'y a pas trop d'utilité non plus l'avoir 100%, mais bon, c'est toujours ça, bon mais c'est couleur. Mon couleur est tombé déjà deux fois, on aurait aimé un autre perso du détecteur du coup, on aurait aimé le Golden Frieza Ange. Après dans le détecteur il y a quand même beaucoup de personnages, ce qui réduit forcément le champ possible de drop de Golden Frieza. Plus t'as de personnages en détecteur, plus c'est compliqué de dropper le personnage que tu veux. C'est logique. C'est logique. Allez, là il n'y a pas eu grand chose, hein. Cette multi-invocation je la sens pas très bien. Ça risque de sentir le pâté en croûte. Avec le petit Kamessénine des familles. Allez, est-ce que tel un hibou, on pourrait avoir l'apparition du Golden Ange ici? Non, ça c'est du Nappa, hein, ça c'est du Nappa. C'est pas vraiment ce qu'on veut. L'ami Golden Frieza, acteur principal de la fin de Dragon Ball Super. Hein, et là, acteur de ce portail. Mais je crois que cette multi-invocation sera la première sans SSR de la vidéo. Allez, c'est l'enchaînement, on n'a pas le temps, on veut dropper du Golden Ange. D'ailleurs, j'espère que vous avez pu dropper Golden. Si vous avez invoqué, évidemment, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. À lâcher votre plus beau pouce bleu sur la barre des pouces bleus. Objectif 1000 pouces bleus pour cette vidéo, les frérots. Au moins, hein, la vidéo d'invocation, c'est au moins du 1000 pouces bleus. Je compte sur vous. Hein, même les gens qui mettent pas de pouces bleus d'habitude, je compte sur vous pour le petit pouce bleu. Et puis, à vous abonner, on approche
très très fortement cette fois-ci les 60 000 abonnés, puisque nous sommes plus de 58 000 sucres sur la chaîne. Et 58 000 sucres, eh bien, ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup, et pour le régime, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Allez, Jesse, Bijita, est-ce qu'on va avoir un SSR ici? C'est pas dit, hein. Ça sent peut-être aussi la multi un peu pourrie. Gildo, Tenshinhan, un peu trop chauve pour moi, frérot. Double chauve. Et un SSR. Bon, bah, c'est un SSR, c'est un Trunks GT Tech. Putain, je croyais que c'était puissance. Donc, c'est de la merde. Là, vraiment, c'est de la merde. Le Trunks GT Tech, c'est vraiment pourri. Allez, on enchaîne, let's go, c'est parti. Évidemment, n'oublie pas que tous les jours, il y a une vidéo sur la chaîne pour les gens qui découvriraient, évidemment, ma chaîne sur cette vidéo, why not. Tous les jours, une nouvelle vidéo, incroyable. Cet homme est incroyable, voilà. Par contre, je ne peux pas te donner l'horaire parce que ça dépend des news, hein. Tu comprends, des fois, il y a une news, on sort la vidéo directe, etc, etc, tout dépend. Mais il y a une vidéo tous les jours, donc si t'as pas la notif, qu'elle s'active pas, même avec la cloche, elle va checker. Et le pire, c'est que maintenant, même en checkant, la vidéo, des fois, apparaît pas dans l'onglet mes vidéos. Et oui, c'est beau, c'est e-sport. Bon, c'est pas terrible, là, ce qu'on drop. Je t'avoue que là, c'est le truc pas terrible. Kuludin, Frostou. Alors, Frost, c'est cool, t'es de la même famille que notre ami, Freezer. Mais c'est pas vraiment toi qu'on veut, hein. C'est pas vraiment toi qu'on veut. D'ailleurs, je vous montre la petite tablette que j'ai achetée, du coup. La petite tablette à un petit placement de produit pour Apple. Oh, Shenron! Allez, Shenron! Je l'ai eu en plus avec G-Labs. Je sais pas si vous connaissez, les gars, le site G-Labs. Vous inquiétez pas, y a pas de placement de produit. Ils m'ont pas donné une tablette pour faire ça. Je l'ai payé, ma tablette. Mais c'est une... Par contre, on a un bye-bye, les gars, aussi. C'est... Il est vraiment dégueulasse, ce Trunks. C'est vraiment un bon truc. Tu les suis sur Twitter. Et dès qu'il y a des... bon, je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent déjà. Hein. Et dès qu'il y a des astuces un peu cool, ou des grosses promos sur les trucs, paf, ils balancent la news. Et puis si ça t'intéresse, tu achètes. Si ça t'intéresse pas, tu achètes. Moi, c'est comme ça que tu achètes pas. Moi, c'est comme ça que j'ai acheté l'iPad, du coup. Il y avait une offre à 270€, je crois, pour cet iPad-là. Donc, comme tu peux le voir, là, hop. Et du coup, je l'ai acheté. Donc, vraiment, vraiment cool, les offres sur ce site. Bref, assez de raconter ma vie, du sucre. On veut dropper du golden, là-haut. Allez, normalement, on a un SSR, là. Pas bon, c'est le tech. C'est un golden, mais c'est le tech. C'est le tech. Malheur, malheureux. Malheureux. C'est pas toi que je voulais. C'est golden ange. Qu'est-ce que tu viens fiche ici? Ah, Shenron. Shenron, c'est vraiment comme les champignons, hein, sur la version globale. Ça pousse tout le temps. Hein. Sur la Jap, tu vois un Shenron tous les 8 mois, je crois. Hein, c'est ça en moyenne. Je me suis dit, moi, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais eu. Donc, c'est encore terrible. Guldo. Kiwi, ça me fait penser que je vais en prendre, hein, un petit kiwi avant d'aller courir un peu. Parce que quand on a trop de sucre dans le corps, il faut aller évacuer tout ça, les gars. Il faut aller évacuer tout ça. Sinon, c'est fini. Après c'est terminé. Après, on ressemble plus à rien. Allez, Gohan. Ah, Topo. Ah bon. Ah bon. Topo. Je sais pas s'il l'avait. Mais Topo. Ok, why not. Sachant que Jiren vient de sortir sur la version Jap. D'ailleurs, si t'as pas vu ma vidéo, elle est sortie hier. Voilà, hein, elle est sortie hier. Le Shenron qui pop encore. Elle est sortie hier, on parle de Jiren, on parle du Dokkan de Kefla SSJ2. On parle de plein de nouvelles cartes qui arrivent sur la version japonaise. Une autre vidéo aussi, démonstration du Dokkan Battlefield version 2.0. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus sympa qu'avant. Donc je vous invite à aller checker ces deux vidéos qui sont sorties la veille, du moment à laquelle tu regardes cette vidéo. Normalement, elle devrait apparaître dans mes vidéos, c'est pas parti la notif. Elle devrait quand même être dans mes vidéos en théorie un jour après. Bon, ça bug, mais quand même pas à ce point-là. Allez, Golden. Bon, mine de rien, là, il veut toujours pas tomber. Dodoria, c'est 18. Ah, ah, le Vegeta Endurance, c'est un peu, ça pue sa mère. Hein. Je vais pas te le cacher, ça pue un peu sa mère. C'est vraiment pas terrible. Allez, putain, on a déjà utilisé quand même pas mal de DS. Et toujours pas l'ombre d'une bonne carte, finalement. On a eu quoi? On a eu Golden Tech, si, c'est une bonne carte, mais bon, il l'a déjà 100%, je crois. On n'a pas eu Goku SSJ3, on n'a pas eu de Kid Buu. On n'a pas eu de Golden Hunt. Allez. Ça va arriver. Tout vient à point, à qui c'est attendre. À Skip. Ce sont les dernières rumeurs. Ryan Shenron. Ryan. Trunks. C16.
Golden, il va arriver, je le sens. Goku, hein. Goku, hein. Yamcha. Et pas du tout. Quelle belle multi qualitative. Allez, 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 allez. Allez. On va essayer de l'avoir, là, quand même. Oh, faut arrêter les conneries. Au bout d'un moment. Oula, pluie de capsules. Alors, je sais pas combien on en a eu de capsules, mais c'est une pluie de capsules. Et ça, c'est certainement un bye-bye, les gars. Hein, faut que j'arrête de zozoter, moi. Allez, bye-bye, les gars, qui arrivent. Donne-nous du Golden Ange. S'il te plaît. Chaozu, on s'en fout. Fildo aussi. Allez, là. Golden Ange. Oui. Mais non. Mais qu'est-ce que tu viens foutre ici, Goten? Mais qu'est-ce que tu viens foutre ici, Goten? Sans déconner. Moi, je vous le demande. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Goten? T'es gentil. Mais c'est pas toi qu'on veut. Bon, 500 orbes. 500 DS. Aucun Golden. Allez. Ça tend par la gauche. On va lui dropper quand même. Allez, allez. Allez, allez, le sucre. Allez, allez. Il faut un max de soutien, là. Il faut un max de soutien pour qu'il essaye de dropper le petit Golden Ange. Un maximum de pouces bleus. C'est moi qui paye. C'est ma tournée. Pas du tout. Ah bon? Très bien, Jirobé. Mais t'es sérieux? Mais c'est quoi ces persos moisis là? J'ai mis l'artwork de ce SR. Une belle multi. Une belle multi qualitative. La chance semble s'être envolée un petit peu. Hein, d'habitude j'ai du lourd sur son compte. Hein, on lui a droppé quand même du très très violent ces derniers temps. Mais alors là, on en a 600 DS. Pas le moindre Golden Ange. Là, on voit pas. On voit pas. Ouh, Videl. C'est 18. Couleur. C'est maintenant, je le sens. Allez, Sancho. Mais c'est quoi ce Trunks de merde? Sérieux, quoi? C'est quoi ce Trunks de mort? D'humeur, de mort. Oh là 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 là, mais please, quoi. Qu'est-ce qu'il fout encore dans un portail, ce type? Putain, j'ai cru qu'il me faisait un dos d'honneur. J'ai cru qu'il me respectait pas, qu'il me faisait un dos d'honneur. Il est pas dégueulasse, ce super bout. Il est pas dégueulasse. Mais bon, on s'en fout. Enfin, c'est pas lui qu'on veut. Mais il est pas dégueulasse. Il est pas dégueulasse. Putain. J'ai cru qu'il me faisait un dos d'honneur, les gars. On aurait pas trop dit qu'il me faisait un dos d'honneur, l'enfoiré? Allez. Envoie tout. Allez, SSJ1, SSJ2. Golden Frieza. Oh là là, c'est terrible. Allez, Golden. Mais il est où, ce con? Mais ouais, mais le détecteur aussi, il y a 60 persos, quoi. Oh. Oh là là. Mais c'est une catastrophe, ces invocations. Mais où est-il? C'est pas possible. Bah, tu sais quoi? Il fait les invocations de Can Battle avec un hand spinner, ça tourne mal. Allez, on fait 3 tours. Mon hand spinner, il déconne en plus. Voilà. C'est bon, c'est bon. Le hand spinner qui va apporter gloire à Golden Frieza, les gars. Allez, Golden Frieza va se ramener grâce au hand spinner du sucre. SSJ3, SSJ3, le hand spinner. Bah, il était pas dans le tort, hein. Golden Frieza est arrivé, mais c'est pas celui qu'on veut. Ça fait 2 fois qu'on a le tech, putain. Fait chier. Oh non! J'ai cru que c'était Golden Frieza, ses couleurs encore, c'est terrible. Un troisième SSR, mais quelle est cette multi?
Mais le hand spinner est-il enchanté? Quatrième SSR, mais qu'est-ce qui se passe, le hand spinner là? En plus, il est bon, ce Gohan. Une fois d'Okan. C'est vraiment un cinquième SSR. Bon, faut pas déconner, quand même. Alors, la multi était bonne. Golden Tech, couleur. Bon, couleur, on en a déjà eu 3. Bon. Est-ce que vous croyez qu'on va réussir à le dropper? Allez. 3, 4, 5. Oh, c'est terrible. C'est terrible. On va jamais y arriver. Comment ça se fait? C'est 17. Oh oui! Oh putain, j'ai failli faire tomber ma truc. Il est là, Golden Flizzou Angel. Enfin, on l'a droppé. Eh ben Mazette, on en aura mis du temps pour l'avoir celui-là. Il sera venu vraiment au dernier moment. Mais il est venu. C'est le principal. Il a fait son apparition. El Bogosito de la Night. Golden Frieza Ange. Suivi de Kid Buu Endurance. Une multi qualitative. Bon, on n'a pas vu Goku SSJ 3 ni. Ni comment il s'appelle. Ni Kid Buu. Mais on a enfin. On l'a enfin. On l'a enfin, les gars. Et ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, pouces bleus, les frérots. C'est grâce à vos abonnements. C'est grâce à vous que Drink a pu dropper Golden Frieza Orange qui vient enrichir sa collection. Du coup, ça fait plaisir, les amis. GG Drink, hein. J'espère que tu seras content d'avoir ce petit Golden Frieza, même si on a dépensé à peu près 800 Dragonstone. On va évidemment te garder le reste. Sur ce, les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous avez droppé ce que vous avez eu envie de dropper. J'aurais peut-être dû le dire en début de vidéo, mais j'avais zappé sur le coup. Évidemment, ne dépensez pas de thunes dans les jeux gacha, hein, même si ça vous donne très envie. Ne dépensez pas d'argent. Gardez l'argent pour vous, ou pour votre famille, ou pour vos amis, ou pour vous tout court. Mais n'utilisez pas d'argent dans ces jeux-là. Ça sert à rien, un jour ou l'autre les serveurs vont être fermés et du coup vous allez avoir tout votre argent qui aura servi à rien. Donc gardez vos thunes, plutôt regardez les vidéos invocations des gens comme moi ou d'autres, hein, pour assouvir votre désir entre guillemets de voir des invocations. Mais vous gardez votre argent, c'est très important. N'invoquez pas, n'utilisez pas de thunes, voilà. Sauf si vous êtes vraiment tranquille, mais globalement faites attention, c'est un peu comme le casino, hein, ce genre de jeu. Donc faut faire gaffe quand même. Bref, sur ce les frérots, je vais vous laisser, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, je compte sur vous pour lâcher le maximum de Kamehameha sur la barre des pouces bleus. Je vais vous abonner si c'est pas déjà fait sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Voilà, pense à mettre la clochette aussi, hein, deux fois que je le dis. Mais bon, le problème, c'est que YouTube nous force à le répéter 60 fois parce que c'est terrible ce qui se passe sur YouTube. Et puis voilà, voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En espérant dropper un peu plus rapidement la prochaine fois. Voilà, des bisous, biscuits of peace, ciao.